On peut voir que même là, en D2, l'ambiance qu'il y a eu, c'est juste incroyable, en fait. Et c'est juste grâce au village, grâce aux gens qu'il y a ici, qui permettent de vivre des moments comme ça, en fait. Et c'est juste incroyable. En fait, c'est allé tellement vite. À la fin, en fait, on a vraiment eu le score le plus serré. Ils sont revenus sur la cage vide. Enfin, voilà, ils ont marqué en 6 contre 5 à la fin du match. Et ensuite, tout est allé trop vite. Tout le monde est monté sur la glace. On a eu vraiment, mais on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, en fait. Et là, ça y est, on réalise et on a beaucoup de photos et de vidéos. Donc, c'est sympa aussi de revoir tout ça petit à petit quand on se réveille, là. Et ouais, ça, là, on est sur notre nuage. Et puis, je pense qu'on va mettre quelques jours avant de redescendre et de, voilà, de repasser à autre chose. On se rend compte qu'on joue, en fait, pour ça, pour ces moments-là. Et ils sont tellement rares et ce titre était vraiment compliqué à aller chercher finalement. On a vu qu'on a mis du temps et on l'a fait, et heureusement. Et maintenant, on a juste à continuer comme ça l'année prochaine si tout se passe bien.